L'Association des anciens élèves du lycée national Léomba, en situation de sensibilisation et d'information face à la pandémie du VIH-Sida et les IST chez les jeunes en milieu scolaire, avec un taux de prévalence qui avoisine les 30% en 2019. Durant toute une matinée, le bureau de cette association a sillonné tout le complexe scolaire Léomba, l'un des plus grands établissements de la capitale gabonaise, avec un effectif de près de 8000 élèves. Nous avons aujourd'hui un taux de prévalence de VIH qui est très élevé dans une population de jeunes dont l'âge varie de 16 à 25 ans, qui est très élevé. On parle près de 30%. Et nous avons tenu à faire... Taux du Gabon ? Oui, au Gabon. Donc c'est inquiétant puisqu'on a de toute façon un pourcentage à deux chiffres. C'est déjà alarmant. Profiter de ce don pour sensibiliser les classes, notamment les 6e, les 3e et les terminales. Et l'idée, c'est justement de leur faire prendre conscience donc, de la réalité du VIH-Sida, mais aussi pour les sensibiliser par rapport aux filières, parce que comme on a eu affaire à des aides de terminale sur les filières aujourd'hui porteuses, puisqu'on ne peut plus former dans n'importe quelle filière comme on le faisait avant. Autre temps fort de cette matinée de rencontres et de sensibilisation avec les élèves du lycée national Léomba de Libreville, des conseils sur la nouvelle feuille de route du gouvernement gabonais en matière de politique d'emploi. L'association leur a donné des rudiments nécessaires pour leur future carrière professionnelle.